Oh, j'aime mieux Gaïa. Brosse ta langue. J'arrange. Aujourd'hui, on teste plus, et mais en fait, j'ai envie de dire aujourd'hui, on joue! Parce que là, c'est dégueulasse ce qu'on va faire, mais je pense qu'on va avoir bien du fun. C'est une compétition, Run for your life! Alors, Marc-André, je vais te donner ta brosse à dents, et déjà en partant, grosse compétition, va falloir que j'ouvre la mienne. Okay, pas. Aïe, aïe. Ah, c'est pas si pire, ça y est. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir se brosser les dents. Mais étant donné que cette semaine, on testait du jus d'orange, on va devoir rincer avec du jus d'orange. Fait que ça va être dégueulasse. Et Marc-André, j'aimerais que tu nous expliques pourquoi c'est dégueulasse exactement. Quand on a de la pâte à dents et du jus d'orange. Dans le fond, c'est à cause de tout l'ensemble des produits qui est dans la pâte à dents qu'on appelle les surfactants. Puis ça réagit dans la bouche de deux manières. La première... bloque complètement le goût sucré qui est sur la langue. Et la deuxième, détruit les cellules amères de la langue. Ce qui fait en sorte que tous les produits sont encore plus... ils goûtent plus fort. Ils goûtent plus fort. Okay. Puis quand tu comprends du jus qui est tout de suite après, le sucré et l'amère sont totalement... Ils sont totalement inexistants. Okay. Puis pour plus avoir ce feeling-là, si on prend pas de jus d'orange, justement, ça prend 30 minutes. Pour plus avoir cette sensation-là, le temps que les cellules se refassent. OK, c'est-à-dire que, mettons, je me brosse les dents, il faudrait que j'attende 30 minutes pour pouvoir boire un verre de jus d'orange. Pour boire un verre de jus d'orange, exactement. Puis, d'après moi, il y a à peu près la même réaction qui se fait avec la pomme verte. Parce que la pomme verte aussi, ça donne un goût vraiment dégueulasse quand on. Okay. Après s'être brossé les dents. Bon, donc, c'est une compétition. Va falloir goûter à chacune de ces trois sortes-là de... C'est pas vraiment grave là, quelle sorte et quoi. Là, on a une Crest, une Sensodyne et... une Colgate. Ouais, c'est la enfant. Colgate pour enfants. Elle sent un petit peu... Je vais te la faire sentir, Marc-André. Okay. Elle sent un peu la... Elle a l'air de bouger. La gomme ballon. La gomme ballon. Ah, ouais. On avait ça quand on était jeune. Oui, effectivement. On va essayer d'en avec ça. Ben oui. Okay. Alors, ce qu'on fait, c'est que tout simplement, on va tremper notre brosse à dents qu'on appelle. Fait qu'on trempe la brosse à dents, met un petit peu de pâte à dents, puis il va falloir qu'on brosse 30 coups. Donc, on va partout, on brosse 30 coups. Après, on prend une gorgée de jus d'orange. Okay. On se gargarise carrément. Fait on se rince, là. On se rince, là. Oh, fait que chuc avec tes joues. Puis après ça, tu craches. OK? Et okay. Deuxième pâte à dents. T'es prêt? C'est parti! On commence avec la... Là, il va falloir se m'attendre. Ben oui. Et bon boy. Mets une petite... la grosseur d'un poids. D'un gros poids, genre? Un poids, là. OK, un poids. T'es prêt? Un, deux, trois, go! Oh my god. Comment je fais quand t'es 30 coups? Hein? Ouais, c'est impossible. Pourquoi du cœur? Et là, tu veux nous dire que c'est ça, ok? Brosse ta langue! Ok, ah. Okay, stop, jus d'orange! Pomme de dégueulasse! Pas de quartier! Hey, t'as pas trempé! Oui, elle est trempée! Elle est trempée, hein? T'as vu? Oh, elle est le gaillard! Ah! Brosse ta langue! Ok, stop! Je le range! C'est dégueulasse, mon dail! Un autre mur, pas grand mur. D'accord. Ça allume. Elle est collée. Reste à l'arme. Ok. Stop. Arc! J'ai gagné! C'est vraiment dégueulasse. Dégueulasse!
Le moins pire, c'est la pâte à dents pour enfants, on va se le dire, là. Parce que c'était comme plus... c'était... Oh, toi, tu te cales un verre, t'es-tu fou? Hey, j'essaie d'enlever ce goût-là, tu sais. Ben, prends de l'eau, pauvre enfant! T'es-tu drôle, toi? Bon. Aimez-vous la chute que ça fait? Hein? Le client est servi. Alors, ceci étant dit, ouais, c'est ça. Le moins pire, je pense que c'est la kid. Puis, hey, en se finissant à celle-là, là, elle était plus forte. Mais sérieux, même si je me suis rincée avec du jus d'orange, là... Excuse-moi, Marc, là, mais c'est juste parce que t'en as plein encore. Ah, c'est... Excuse. J'ai quand même la laine fraîche. C'est ça qui est merveilleux. C'est que j'ai même plus le goût du jus d'orange. J'ai quand même la laine, là, regarde. Pis, trouves-tu que j'ai la laine fraîche? Prends-toi donc un verre de jus d'orange, voir. Tu fous? Celui qui est tout cochonné, check ça. Ça marche pas, boire plus de jus d'orange, c'est dégueulasse. Bois de l'eau, t'es bien tata. Ah non, je vais l'endurer. Bon. Ben, coudon, je... Essayez ça dans vos parties de famille. Ça, c'est vraiment un beau jeu dans le temps des fêtes. Ou pas. Ouais. Écoutez, on commente, on partage, on like, puis nous autres, ben, on teste.